Et je cherchais quelqu'un, une femme, pour être la directrice de mon cabinet. J'ai rencontré, puis j'ai donné rendez-vous à Pauline, elle est assise en face de moi dans mon bureau. Et pendant une heure, je lui explique ce que vont être mes dossiers, ce que j'attends d'elle, à quel point je devrais pouvoir compter sur elle pour certaines choses en particulier, tout ça. Ça dure une heure. Et au bout d'une heure, je la vois baisser les yeux, je la vois parce que c'est très précis dans ma mémoire. Je la vois baisser les yeux, elle sautait pendant quelques minutes, et je lui dis, et alors? Elle me dit, vous savez, madame, ça se peut que je ne sois pas la bonne personne pour le poste que vous proposez. Je dis, ben voyons. Mais j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle me dit, c'est parce que je ne suis pas féministe. Et je suis partie à rire, mais à me rouler par terre. Et là, elle était très surprise, comprenez que ça me fasse tant rire. Je lui dis, ma chère Pauline, 2 semaines ici, avec moi, avec les dossiers que j'ai, et avec ce que je sais que les gars vont dire quand je vais arriver au Conseil des ministres avec ça, tu vas être féministe. J'étais plus à gauche, personnellement, que la plupart de mes collègues. C'est une position difficile, parce que quand vous essayez de défendre quelque chose, vous êtes toujours en minorité. Alors, ça rend la tâche plus compliquée. Pauline a vécu ça aussi. Pauline est plus sociale qu'économique, dans sa formation et dans ses préoccupations. L'économie, c'est l'affaire de Claude Blanchet, qui a très très bien réussi. Mais il ne pourra pas être premier ministre avec elle. Ça ne se fait pas à deux têtes, contrairement à Québec solidaire. Alors, dans ce sens-là, il va falloir qu'elle s'entoure de gens qui vont l'aider pour ces dossiers-là. Et c'est sûr que quand on vit les épreuves, la remise en question du public, quand le public dit « je ne veux plus en entendre parler, c'est assez », c'est difficile pour ceux qui sont à l'intérieur de brandir le drapeau et de dire « nous, on va continuer ». Alors, il y a des ajustements qui se font.